sèche sur les lèvres. Merci. Un autre amour. Je suis tellement heureuse que nous soyons enfin mariés, Joël. Moi aussi, Sonia. Tu es très magnifique ce soir. Merci, tu es si gentille. Mais je suis un peu nerveuse, tu sais. Ne t'inquiète pas, chérie. Je suis là pour toi. Et je veux que cette soirée soit spéciale pour nous deux. Prends tout ton temps, ma fleur. Nous n'avons aucune hâte. Je veux que tu te sentes en sécurité à mes côtés. Je t'aime, chérie. Moi aussi, Marine. Bonjour chérie, bien dormi? Bien chérie, et toi? Très bien. Comment as-tu trouvé notre première nuit passée ensemble? C'était incroyable. Je m'excuse si je t'ai fait mal. Je voulais juste que tout se passe bien pour toi. Ne t'inquiète pas chérie. C'était juste une expérience nouvelle pour nous deux. Je suis très contente que tout soit bien passé. Je suis rassurée, mon amour. Découvrez la clinique Akounès de Bafoussam, située à 500 mètres de la mairie rurale, entre le groupe scolaire Les Colibris et le Carrefour Molin, qui offre les meilleurs services médicaux et chirurgicaux à la pointe de la technologie médicale à des prix abordables, sans compromis sur la qualité pour assurer votre santé et votre bien-être. Équipée des dernières technologies médicales, la clinique Akounès vous garantit des diagnostics précis et des traitements efficaces. La consultation des médecins généralistes tous les jours 24 heures sur 24, les services de laboratoire, de chirurgie, de néonatologie, les services dentaires, d'échographie, de kinésithérapie, les services de consultation prénatale, d'accouchement et de vaccination, sans oublier les services d'hospitalisation et de planning familial, sont nos services. La consultation cardiologue, la consultation gynécologue et la consultation du chirurgien qui se font tous les jours sur rendez-vous, sans oublier la consultation hors LL, sont nos spécialités. Notre équipe médicale est composée de professionnels expérimentés et dévoués. Nos médecins, infirmiers et techniciens sont formés aux meilleures pratiques pour vous offrir des soins personnalisés et de haute qualité. À la clinique Akounès, nous croyons que la santé ne devrait pas être un luxe. C'est pourquoi nous proposons des tarifs compétitifs sur l'ensemble de nos services. Contactez-nous au 696 90 33 38, 673 40 10 38, email akounesclinique@gmail.com. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui et découvrez l'excellence médicale à des prix accessibles avec la clinique Akounès. Vous êtes en séjour à Bafoussam ou vous prévoyez séjourner dans les jours à venir, nous vous recommandons la résidence D pour vous héberger pendant votre séjour. La résidence D, ce sont les appartements meublés au standing, composés de deux grandes chambres, trois douches, cuisine et espace véranda, des suites VIP et studios ultra modernes avec espace véranda. Chez nous, le confort et la sécurité y sont de mise et nous sommes facilement accessibles.
La résidence D est située après le marché B à la 6e rue du quartier Nylon. Faites vos réservations au 696 57 20 79, 620 56 32 31, 691 46 49 96. La résidence D, c'est le confort et la sécurité assurés à un prix défiant toute concurrence. Et alors, ma chérie, dis-nous, comment ça s'est passé? On veut tout savoir jusqu'au moindre détail. Vraiment? Puisque c'était ta première fois, ma chérie. Oh oui. C'était formidable. Je l'ai été si doux et attentionné. C'était comme un rêve devenu réalité. Vraiment? C'est super. Je suis heureuse pour toi. Dis-moi, as-tu atteint l'orgasme? L'orgasme? Je crois, car c'était vraiment bon. Tu as joui? La femme jouit? Dis-moi un peu, il a fait combien de minutes sur toi? Environ deux. Quoi? Es-tu sérieuse là? Brenda, pourquoi ris-tu autant? Y a-t-il quelque chose de drôle dans ça? As-tu épousé que le coq? Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Ma chérie, il y a quelque chose dont j'aimerais t'en parler. Ton joint là, il a une faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle? Comment le sais-tu? La durée moyenne d'un rapport sexuel est de 10 minutes. Lorsqu'un homme fait moins de 10 minutes, il y a un problème. En d'autres termes, un homme qui ne peut pas faire 10 minutes sur une femme ne peut pas la faire atteindre l'orgasme. J'ai été satisfaite et c'était vraiment génial. Ma chérie, laisse ça. Nous sommes les rodés dans le domaine. Nous savons de quoi est-ce que nous parlons. Si tu étais satisfaite en 2 minutes, imagine ce qui se serait passé en 10 minutes. De l'extase totale, ma chérie. Tu devrais arriver au 7e ciel, conjuguer le nom de ton mari à tous les temps, comme si c'était un verbe. Imagine, si tu allais une femme fontaine comme moi. Je préfère garder ça pour moi. Hein. Je ne veux pas te traumatiser avec ça pour le moment. Est-ce que tout va bien? Non. C'est juste différent de ce à quoi je m'attendais. Mais différent comment, chérie? Je m'attendais à 10 minutes minimum. Oh, je suis désolée si je t'ai déçue. Je voulais pas te presser. Je voulais que tu te sentes à l'aise. Ne te justifie pas, Joël. Tu souffres sûrement d'une faiblesse sexuelle. Et tu devrais rencontrer un médecin sur le champ. Je vois. Chérie, je veux juste que tu sois en santé. Raison pour laquelle je suis en train de prendre les précautions à cela. Je te comprends, ma chérie. C'est une très bonne idée. Là, je pourrais mieux accomplir mon devoir pour le chugan. Nous surmonterons ce ensemble, chérie. Je suis reconnaissant de t'avoir à mes côtés. Qui va là? Entrez. Ah. Monsieur Joël. Ouais, monsieur Hassan. Comment vous allez? Je vais bien, toi-même. Cool. Ah, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Sinon, comment se passe ta vie de couple à présent? Tu sais, c'est une nouveauté pour toi. Un peu bien. On s'adapte à vivre ensemble et construire notre vie.
Comment ça un peu bien? Tu sais, Hassan, je vais être sincère avec toi. Après le mariage, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais actuellement, je me trouve dans une situation délicate. Je comprends. Et comment puis-je t'aider? J'ai un problème de santé que je dois régler immédiatement. Je dois consulter un médecin pour une faiblesse sexuelle. Mais je ne dispose pas des moyens pour les frais médicaux. Je suis vraiment désolé d'apprendre ceci. Ça doit être une situation très délicate pour toi. Et sinon, de combien as-tu besoin? J'ai causé avec un collègue qui avait le même problème. Il m'a parlé de 300 000 francs pour un bon traitement. Écoute mon frère, et tu vas passer chercher ça dans 3 jours. Si tu étais arrivé un peu plus tôt, mais là, j'ai déjà passé la commande de la matière première de mes produits, comme tu le sais très bien. J'ai même déjà fait le dépôt au fournisseur. Merci mon frère, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu sais, ça sent que c'est les amis. Nous devons nous soutenir dans les moments difficiles. C'est ça. Oh, ça me touche vraiment. Ok. Bon, M. Hassan, je suis vraiment reconnaissant. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Bonne journée à toi. Ok, bonne journée. Merci. D'accord. Ces comprimés, avant qu'on aille à la chambre où tu sais, va manger. Mais chérie, est-ce que tu sais ce que c'est? C'est du Tramon, un produit dopant. Chérie, je voulais juste t'aider. J'ai lu que ces produits pouvaient améliorer tes performances au lit. Ma chérie, je sais que tu voulais m'aider, mais je ne peux pas accepter ça. Je ne veux pas devenir dépendant de drogue pour notre vie intime. Je ne savais pas quoi faire d'autre, chérie. Je veux juste que nous puissions avoir une vie de couple épanouie. Je veux me découvrir. Je le sais, ma chérie. Et je t'aime pour cela. Mais il y a d'autres moyens de régler ce problème. J'ai causé avec mon ami Hassan. Je lui ai exposé notre problème. Il m'a dit de passer après demain pour un prêt d'argent. Un prêt d'argent? Mais tu n'as pas besoin de faire ça, chérie. Si, ma puce, c'était nécessaire. Je veux régler ce problème de manière saine et durable.
Nous devons penser à long terme. Je comprends, mon chéri. Je suis désolée si je t'ai mis mal à l'aise avec ces produits. Je voulais simplement t'aider. Je sais, et je t'apprécie pour cela. Mais nous devons faire face à cela ensemble, de manière durable. Je suis sûre que nous y arriverons. D'accord, mon roi. Je te soutiendrai dans cette démarche. Merci beaucoup de m'avoir parlé. Merci de me comprendre, ma puce. J'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. J'ai reçu une forte somme d'argent dans mon compte, venant d'un partenaire en Chine. Toi-même, tu connais la situation de notre pays. Chaque argent qui entre dans ton compte bancaire, un peu énorme, là, doit être justifié. Je ne sais pas combien de temps la procédure va prendre, donc je ne peux pas déterminer cela. Je n'ai vraiment pas de chance. Je suis désolé, mon frère. J'ai fait de mon mieux. Mais les circonstances étaient contre moi. Je te comprends, Hassan. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Écoute, il est vrai que je n'ai pas toujours du cash sur moi. Mais je vais toujours t'aider. J'ai parlé avec un naturopathe que je connais bien. Il est prêt à te recevoir, même si tu ne peux pas payer tout de suite. Vraiment? C'est une aide précieuse. Je ne sais comment faire pour te remercier, Hassan. Bah, tu n'as pas à me remercier, mon frère. Nous sommes des amis. Je vais t'accompagner dans son cabinet afin que tu puisses commencer le traitement dès que possible. Tu es vraiment une amie exceptionnelle. Je comprends, jeune. Nous allons surmonter tout cela ensemble. Je serai là pour t'aider à chaque étape. Encore mille fois, merci, mon frère. Je comprends. C'est pas grave. Sinon, Serette, avez-vous résolu votre problème? Honnêtement, les choses vont de mal en pire. Je vais la consulter, un naturopathe. Malheureusement, rien n'a donné. C'est vraiment décevant. Avez-vous essayé autre chose? Oui, nous avons consulté un médecin spécialiste. Et nous avons dépensé une somme de 500 000 francs. Il a suivi son traitement. Jusqu'ici, rien n'a donné. Cela est dû à entendre. Sonia, et comment vis-tu cela? C'est un véritable calvaire, Valérie. Nos relations intimes sont devenues un fardeau. Chaque tentative est une déception. Nous sommes à court d'options et nous ne savons plus quoi faire d'autre. C'est comme si toutes nos tentatives étaient vouées à l'échec. Oh, je te comprends. Vous avez essayé tellement de choses, mais j'ai une solution à te proposer. Vous avez essayé le Viagra? Cela pourra aider Joël à être plus résistant au lit. Avec tout ce dont j'ai eu à entendre parler sur ce produit-là, je ne suis pas sûre qu'il l'acceptera. Un jour, j'ai essayé de lui persuader de prendre du Tramadol. Et cela a créé des sérieux problèmes entre nous. Sonia, tu pourras le faire sans qu'il s'en rende compte. Par exemple, tu pourras le mettre dans le lait ou bien dans son repas, juste avant les rapports sexuels. Et si ça rend compte, que ferais-je par la suite? Je comprends ton hésitation. Mais pense plutôt à ce que cela pourra apporter à votre relation intime. Parfois, un petit coup de pouce peut apporter toute une différence. C'est vrai que la situation est désespérée. Mais je n'apprécie pas l'idée de lui donner quelque chose sans qu'il ne le sache. Je sais, ma chérie. Mais pense plutôt à ta propre satisfaction et à l'harmonie de votre couple.
Peut-être que si cela marche... Il n'aura pas besoin de le savoir. Tu pourras l'en parler plus tard, lorsque lui-même il verra les améliorations. Chérie. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Acheter sur le point de partir. Ok. Bon, soirée, je te laisse. Tande. Viens t'asseoir, il faut qu'on parle. Attends que je te serve à manger. Ça peut attendre. Valérie est venue chez nous. Pourtant, je t'avais formellement interdit de ne plus la fréquenter. Et cela ne devait pas se produire. Je suis désolée, chérie. Valérie est une amie de longue date et je ne veux pas couper les ponts avec elle du jour au lendemain. Cela doit se faire de manière progressive. Tamdem, il faut écouter ton mari. Les célibataires ne sont pas les bonnes fréquentations. Chérie, je comprends tes préoccupations. Ça fait des années que nous sommes ensemble. Et selon toi, je devrais couper les ponts avec elle juste parce que nous sommes mariés et elle, non? Écoute, comprends-moi s'il te plaît. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour nous, Camden. Les relations entre femmes mariées et célibataires, on sait tous comment ça se passe et comment ça se termine. Quel conseil est-elle à mesure de te donner si ce n'est de te pourrir l'esprit en longueur de journée? Sache que c'est un couteau à double tranchant que tu tiens entre tes mains. Je t'aurais averti. Aussi rayonnant qu'un rayon de soleil. Attends un peu. Et si je donnais une tasse de lait? J'ai lu sur un article quelque part qu'une tasse de lait bien froide avant tout rapport sexuel augmente la libido et c'est très naturel. S'il te plaît mon chéri, essayons juste cette fois-ci. Puis, je ne t'emmerderai plus jamais avec ceci. Ok, mon amour, juste pour cette fois. D'accord. Chérie. Oui, ma reine. Bois tout d'un coup, pour que ce soit très efficace. Ok, chérie. Qu'as-tu mis à l'intérieur? Rien, rien du tout, rien. Tu es sûr? Mon chéri, je n'ai rien mis à l'intérieur. Salut à vous, je suis Monsieur F7, réalisateur et promoteur de cette page. Si j'ai décidé de m'adresser à vous ce matin, c'est justement parce que j'ai fait un constat. Nombreux sont ceux encore qui ne sont pas abonnés sur cette page et je ne suis pas content, car nous vous réservons des grosses surprises. Si vous avez constaté, sur cette page, nous on publie généralement un film après 3 mois. Et ce n'est pas bien pour l'évolution de notre team. Donc, faites l'effort de vous abonner massivement sur cette chaîne. Vous likez les vidéos, vous commentez, vous partagez. Car mon équipe et moi sommes en train de travailler très dur pour pouvoir vous offrir à moins 2 longs métrages.
pas moi. Donc, marquez un petit temps, vous activez la cloche, vous vous abonnez, et puis, vous voyez un peu ça, c'est très facile. Donc, ceci dit, bon visionnement du film, et visionnez-la jusqu'à la fin, car il y a une très grosse surprise, une très très grosse surprise. Allez jusqu'à la fin, vous verrez cette surprise. Big up à vous. Tu as quelque chose à m'expliquer par rapport à ces comprimés? Donc d'après tout ce qui s'est passé la dernière fois par rapport au tramol, tu as eu le courage de vouloir me faire boire du Viagra pour augmenter ma virilité sans que je ne sois au courant comme des... Chérie, j'ai pu tout t'expliquer. C'était juste pour nous aider. Penses-tu que me faire boire des excitants sans que je ne sois au courant, c'est la meilleure façon de régler nos problèmes? Comprends-moi, chérie. Je suis désolée. Je voulais juste que tu saches que je n'agis pas désespoir. Mets-toi à ma place. Une jeune fille, belle et ambitieuse, qui a gardé sa virginité pour son mari, constate juste après le mariage que son mari ne peut pas la satisfaire au lit juste parce qu'il est malade. Que feras-tu? Toi, au moins, malgré les deux minutes que tu fais sur moi, tu jouis et tu es satisfait. As-tu un seul instant pensé aussi à moi? Sais-tu ce que je ressens à chaque fois que l'on fait l'amour? Chérie, j'ai besoin de me libérer, de me sentir comme une vraie femme. Et pour cela, tu dois me faire jouir. Je fais tout ceci parce que je veux que les choses s'améliorent entre nous. Car moi aussi, j'ai droit au bonheur. Je te comprends bien. Mais comment puis-je te faire confiance si tu prends de telles décisions derrière mon dos? Ne penses-tu pas que ça devait se faire avec mon consentement? Je suis vraiment désolée, chérie. J'ai bien pensé à avoir une discussion avec toi par rapport. Mais je savais que tu devais refuser. S'il te plaît, chérie, pardonne-moi. Je ne voulais pas te blesser ni te trahir. Si nous avons des problèmes, nous devons les régler de manière ouverte et honnête. Et non pas de manière de sournoisie, ok? D'accord, mon chéri, je suis désolée. Je te promets, ça ne va plus jamais se répéter. Ok, mon amour, je t'ai pardonné. J'ai une excellente nouvelle à te partager. Qu'est-ce qui se passe, Hassan? Tu as l'air enthousiaste. Je viens de faire la rencontre d'un nouveau docteur spécialiste affecté dans notre ville. Il s'appelle Docteur Jani. Il est réputé pour le traitement des faiblesses sexuelles. Vraiment? Et tu es sûr qu'il pourra m'aider? Absolument, mon jeune. Écoute. Je lui ai parlé de ton cas. Il est convaincu qu'il pourra te guérir en 6 mois de traitement. C'est incroyable, Hassan. Je ne sais vraiment pas comment te remercier pour tout ce que tu fais. Ne t'inquiète pas, Joël. Je suis content de t'aider. Docteur Jaye a une réputation très bonne. Et ça veut savoir ce qu'il fait. Merci, Hassan. Ça me donne un nouvel espoir. J'étais vraiment désespéré ces derniers temps. Fixez immédiatement un rendez-vous avec lui. Plus tôt tu commenceras le traitement, mieux ce sera. Ok, je le ferai dès que possible. Merci encore, mon ami. Tu n'as pas à me remercier. Tiens-moi informé de l'évolution, d'accord? Je te tiendrai informé, Hassan. Merci encore vraiment. Prends soin de toi, Hassan. À bientôt. À bientôt, Hassan. Tu passes une bonne journée. Merci beaucoup. Chérie. Tu ne vas pas croire la nouvelle qu'Hassan vient de m'annoncer. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a rencontré un nouveau docteur spécialiste en ville, docteur Ndiaye, et il pense qu'il peut me guérir en 6 mois. C'est merveilleux, chérie. Enfin, une lueur d'espoir. On va pouvoir le rencontrer. D'accord, mon amour. Après, on y va immédiatement. Non, chérie, tu ne devais pas manquer le rendez-vous avec le pasteur. On pourrait aller juste après que tu sois rentrée. Le rendez-vous avec le pasteur peut attendre. Ma santé passe avant tout. Donc, je veux qu'on y aille immédiatement. Tu as raison, Joël. Rien n'est plus important que ta santé. Je m'apprête et on y va. Ok, chérie. Chérie.
Seigneur, je te remercie du fond de cœur pour cette incroyable nouvelle. Enfin, une solution à mon problème. Je vais pouvoir offrir à ma femme l'intimité et la satisfaction qu'elle mérite. Je me sens tellement soulagée et remplie d'espoir, car je vais enfin honorer mon mariage de toutes les manières possibles. J'ai hâte de faire l'amour à Sonia avec toute la passion et l'endurance qu'elle mérite. Elle mérite d'être comblée et heureuse. Et je suis déterminée à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir. Si heureuse ce matin. J'ai passé une des meilleures nuits de ma vie. Le quatrième coup que tu as fait à 4 du matin, là, ça m'a vraiment voulu 7e ciel. Vraiment? Mmh. Je suis content d'entendre cela. Tu as été merveilleux, chérie. Je suis ravie que tu t'es sentie ainsi. Ça me pousse et ça me motive à continuer à plus m'améliorer pour mieux te combler, ma chérie. Alors, continue ainsi, et puis tu verras ma joie chaque matin. Je chanterai pour toi, car tu es mon héros. Tu es mon inspiration, ma chérie. Je t'aime tellement. Je t'aime mon cœur. Faudrait pas arriver en retard. Ton déjeuner est déjà prêt. Avec plaisir, chérie. J'ai eu des problèmes personnels qui ont affecté mon énergie. Des problèmes personnels? Trouvez-vous cela normal? Et depuis un certain temps, vous somnolez, vous dormez au bureau. Est-ce que vous trouvez cela professionnel? Si la situation persiste, je serai dans l'obligation de vous virer. Je comprends, monsieur. Je suis vraiment désolé. Je vais tout faire ce qui est à mon possible pour améliorer la situation et revenir à un niveau de performance acceptable. Non, je n'ai pas besoin d'un niveau acceptable. J'ai besoin de 100%. Ok, monsieur, je vais m'y atteler. Merci pour votre compréhension. J'espère bien. J'espère bien. Vous pouvez disposer. Thank you.
déjà travaillé pour plus de 4 heures de temps. Ne pense pas qu'il serait mieux de prendre une pause. Mon bébé, je t'ai dit hier que mon travail n'était né qu'à un fil. Je dois absolument finir ce rapport avant demain matin. Je sais, chérie. Ce n'est pas en prenant une pause de 30 minutes pour me bercer que cela va tout s'effondrer. Je ne dois pas perdre le temps. Chaque minute compte. Chérie, cela ne peut pas compromettre ton travail. Au contraire, ça te fera du bien, ça te donnera aussi beaucoup de force. Je suis tellement stressée, chérie. Je ne veux pas baisser ma garde. Je te promets que je te sentirai plus mieux après. Juste 30 minutes. Seulement ce que je demande. Ok. 30 minutes, pas plus. Oh non, il est à 3h30. Décidément, cette femme va finir par me faire perdre mon boulot. À cause d'une histoire de 30 minutes de plaisir, me voilà en retard pour mon travail. Pourquoi est-ce que j'essaie toujours ça? Voilà que je me retrouve à 3h30 du matin, à moitié endormi et paniqué à cause d'un rapport que je n'ai pas encore fini. J'ai pourtant promis de faire des efforts, de ne pas me laisser distraire et me voilà encore en train de jongler entre le plaisir et les responsabilités. Tu es déjà debout, chérie. Oui, mon bébé, ça fait à peine 30 minutes. Est-ce que tu sais qu'il est 4 heures? Et puis quoi? C'est l'heure à laquelle nous avons pour habitude de faire l'amour. Sonia, que me veux-tu réellement? Hier, tu as fait que comme ça, je me suis endormie, manquant de finir mon travail. Veux-tu qu'on me chasse du boulot? Est-ce moi qui ai dit hier que je t'endorme après l'acte sexuel? Me faire l'amour quand et quand je veux font partie de tes devoirs conjugaux. Je le sais, mais je ne suis pas une machine sexuelle. Tu dois comprendre que mon travail est en jeu ici. Donc, je n'ai pas trop derrière plateau de 4 heures. Sonia, je ne peux pas me permettre de perdre mon boulot en ce moment. Nous avons des responsabilités, des factures à payer. Si je perds ce travail maintenant, que ferons-nous? Pour l'instant, je dois finir ce rapport. Tu sais très bien que je n'aime pas qu'on ait devant moi et rien fait pendant que je travaille. Donc, tu peux disposer. A créé un autre problème dans mon couple. Ah bon? Quel genre de problème? Ma femme est devenue obsédée par le sexe. À chaque fois qu'elle veut faire l'amour, c'est comme si elle n'en avait jamais assez. T'es sérieux là? Oui, mon frère. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Et à cause de cette situation, mon travail en souffre. Je comprends. Ça doit être une situation très difficile à gérer. Mais, as-tu essayé de lui en parler? Oui. Et elle me dit que c'est mon droit conjugal. Elle ne comprend pas que je ne suis pas une machine. Chaque fois que je refuse, elle se fâche et ça crée des tensions entre nous. C'est vraiment compliqué, mon frère.
Je pense qu'il ferait mieux de faire recours à un conseiller matrimonial. Parler à un professionnel vous permettra de trouver un équilibre. Je n'y avais pas pensé. Ça peut être une bonne idée. Mais pour le moment, je suis juste fatigué. Et je crains pour mon travail. Je sais que c'est difficile, Joël. Mais il faut vite trouver une solution à ce problème. Ton bien-être et ton travail sont en jeu. Tu as raison, Hassan. Merci de m'écouter. Je vais l'en parler et lui proposer l'idée d'un conseiller. Écoute, n'hésite pas à me faire signe si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, Hassan. Ça fait plaisir de parler à quelqu'un qui comprend. Il faut avouer que tu as un sacré appétit pour le sexe. Ah oui? Je me suis mariée pour ça, entre autres. Écoute, j'ai peut-être une solution pour toi. Connais-tu ce produit? Je l'ai acheté dès que tu m'as expliqué ton problème au téléphone. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un produit naturel appelé Poutoulou que tu pourras donner à Joël. Avec ça, il pourra faire du sexe sans se fatiguer, sans éjaculer. Il pourra même aller jusqu'à faire 3 heures de temps sur toi. Je t'assure, c'est très efficace. Comment tu sais que ça marche? C'est ça que les sportifs utilisent pour être aussi performants et avoir de bons résultats. J'espère que c'est sans danger, parce que je ne veux pas lui causer des problèmes de santé. Ne t'inquiète pas, c'est sans effet secondaire. Il n'aura qu'à associer une petite quantité à de l'eau, attachée à son rouet avec du plastique, quelques minutes seulement avant de passer à l'acte. Ça a l'air trop beau, à vrai dire. Tu es sûr que ça marche réellement? Ma chérie, ça marche à 100%. Mais chérie, est-ce que tu réalises à quoi tu m'as réduit? C'est naturel. Ça nous fera vraiment du bien. En plus, c'est pour résoudre nos problèmes. Donc, tout ce qui compte pour toi, c'est les parties de Jean-Marie. Tu vois où tu en es arrivé, Sonia? Je t'ai proposé qu'on aille voir un conseiller matrimonial. Question de discuter de nos problèmes, tu as refusé. Tout ce que tu trouves aujourd'hui comme solution, c'est ça pour tout le monde. Joël, je cherche juste à trouver une solution pour nous. Et je veux que nous soyons heureux ensemble. Ce n'est pas une solution, Sonia. D'ailleurs, j'ai pris une décision et je ne compte pas la changer. Dorénavant, nous ferons l'amour 3 fois par semaine dans cette maison. Que cela te plaise ou pas, il faut qu'on trouve un équilibre. Question de ne pas mettre mon travail et ma santé en danger. 3 fois par semaine seulement? Oui, 3 fois. Je ne suis pas une machine. J'ai du travail à faire. Tu peux disposer. Pourquoi je refuserais-tu de faire l'amour avec moi autant qu'avant? Est-ce réellement à cause de la fatigue et la concentration pour son travail? Cette histoire ne tient pas debout. Je voulais juste qu'on retrouve notre intimité et notre complicité. J'ai tout essayé. Peut-être qu'il trouve ailleurs ce qu'il ne trouve plus avec moi. C'est sûr, il doit voir une autre femme. Il n'y a pas d'autre explication. Je ne peux pas vivre avec cette incertitude. C'est insupportable de penser qu'il puisse me tromper. Je dois trouver un moyen de sauver notre mariage. Que ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Et comment va-t-elle? Elle se porte très bien. Ok. Une fois dans la vie, fais-moi signe, s'il te plaît. D'accord, Joël, c'est compris. À plus. Je peux savoir ce que tu faisais ajouter avec ces femmes au téléphone. Écoute, tu opportes maintenant. Qu'est-ce qui te prend? Réponds à ma question, Joël. Qui est-elle et de quoi est-ce que vous parliez? Donc, je n'ai plus le droit de converser avec une femme au téléphone juste parce que je suis mariée.
Ce n'est pas ça. Et tu sais très bien de quoi est-ce que je parle. La dernière fois, tu m'as interdit de ne plus causer avec Valérie. Mais toi, tu passes tout ton temps à causer librement avec les femmes au téléphone. Mais chérie, c'était juste une conversation. Rien de grave. Tu n'as pas à t'inquiéter. Il n'y avait rien de mal dans cette conversation. Quand je n'ai la même lancée, un jour tu seras sûr de tes propres actes. Pourquoi a-t-il mis un code sur son téléphone? Avant, il n'avait jamais besoin de ça. Qu'est-ce qu'il cache? Il a souri en lisant ce message. Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Car, si ce n'était pas le cas, depuis quand est-ce que notre relation est devenue un jeu de secret? Mais chérie, on fait souvent quatre coups. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois comprendre que je suis humain et j'ai mes limites. Aujourd'hui, je les ai atteints. Bébé, tu sais combien de fois c'est important pour moi de faire quatre coups par jour. Comme vous avez dit que tu ne me comprends pas. Bébé, ce n'est pas question de te comprendre. C'est juste que je suis épuisé. S'il te plaît, on en parlera demain. Bonne nuit. Est-ce que je suis devenue obsédée sexuelle? Il n'a jamais eu besoin de protéger son téléphone avant. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Et pourquoi maintenant? Est-ce que je suis en train de perdre mon chéri? Ce code. Il n'a jamais eu besoin de protéger son téléphone avant. Je dois savoir la vérité pour ma propre paix d'esprit. Je dois comprendre ce qui se passe vraiment. Mais c'est un collier, chérie. Je vois très bien que c'est un collier. Pour qui tu l'as acheté? Mais bien sûr que c'est pour toi, chérie. J'attendais juste le bon moment pour te le donner. Arrête de mentir, Joël. Dis-moi la vérité. À qui appartient ce collier? Mais
Mais pourquoi c'est difficile de croire, chérie? Avec tout ce qu'on traverse ces derniers jours, j'attendais le bon moment que nous ayons une conversation franche pour que je te le donne. Je sais que tu mens, Joël, donc je suis stupide. Tu ne me crois pas, c'est ça? Joël, tu es un menteur. Tu sais quoi? J'en ai assez de tes accusations enfantines. Crois ce que tu veux. Dégage. Voyons voir ce que tu caches vraiment, homme parfait. Rien, rien du tout. Pas un seul message suspect, ni même un numéro inconnu. Il a déjà tout supprimé. Comment est-ce que je vais prouver quoi que ce soit maintenant? Comment peut-il être aussi intelligent? Je suis sûre qu'il y a quelque chose. Il ne peut pas être innocent. Ce collier... S'ils appellent, ils t'indiquent qu'ils me trompent. Et si je me trompais à ce sujet? Je dois savoir la vérité. Je dois protéger notre mariage, notre amour, ou ce qu'il en reste. Pauvre Sonia, elle mérite mieux que ce vilain Tom. Au menu d'aujourd'hui, on a fait le tarot, le sauce tomate et le couscous manioc. Waouh, ça fait longtemps. C'est vrai que ça doit être difficile pour elle, mais je ne peux pas garder ça pour moi seule. Et moi, du tarot. Si je suis venu vous dire,
poche aussi. Oui, Sonia. Allô, Valérie? Oui. Le lieu du restaurant. Calme-toi, ma chérie. Ne t'inquiète pas, il n'y aura rien. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je dois arriver là-bas tout de suite. C'est le restaurant Palace. S'il vous plaît, dépose-moi au restaurant par là, c'est combien? C'est 1000 francs, madame. D'accord, pardon, c'est très urgent, je suis vraiment pressée. Ok. Mais monsieur, c'est quoi? J'essaie de trouver la solution à notre problème, madame. Je voulais pourtant dire que c'était urgent, non? Ça ne dépend pas de moi, madame. C'est la moto. Oui, madame. S'il vous plaît. Dépose-moi au restaurant par là. Comment, madame? Vous ne pouvez pas encore payer, madame. Comment, madame? Hostel! Il paraît que j'ai oublié mon téléphone avec mon boîte de fière. Je ne veux pas comprendre les chansons là-dedans. Donne-moi là. C'est quoi? Monsieur, pardon. Ou alors vous me donnez votre numéro de téléphone. Comme ça, je vous envoie. Et je donne mon numéro. Et tu veux parler de qui pour un bout de moi? Dis-donc, donne-moi là ici avant de bouger. J'aime d'abord comme ça là. Donne-moi là. Monsieur, pardon, je vous en supplie. On peut rester à l'amiable. Attends, je ne suis pas celui que tu as laissé là-bas derrière. Paye-moi ici. Jean, que seulement je quête. Si c'est que c'est bon, on peut ensemble comme ça. Et bien la maison, je vous paye. Je ne dis pas ici. Comme tu entres là, on va partir, tu vas me donner 5 000. Et si tu dures là-bas dedans, je te trouve et fais un scandale là-bas. Merci. Wow! Tu as une très belle maison et tu l'as très bien décorée. Merci. Tu sais, on doit vivre confortablement. Mais chérie, où étais-tu? Ne me pose pas de questions, sale infidèle. Et toi, sale pute, comment vas-tu te mettre sale chez moi? Écoute, tu vas te lever d'ici et dégager de là. Va sur le roi, on va voler dehors. Tais-toi! Idiot! Tu sais qui est cette dame? Elle n'est personne. Elle n'est qu'une sale pute. Arrête! Que comptes-tu faire? Joël, je ne peux plus supporter cette situation. Je vais devoir partir. S'il te plaît, ne t'en va pas. On peut résoudre ça calmement. Non, Joël. Je ne peux pas accepter d'être traité de la sorte. Je m'en vais, au revoir. Oui, va-t'en, voleuse de mari. En plus, tu ne mérites pas d'être ici. Tu es malade, Sonia. Qu'est-ce que c'est pas moi que tu te comportes de la sorte? Tu as osé me gifler. Tu veux savoir qui est cette dame? C'est Nadia. Ta soeur cadette. Lui est l'unique famille qui me reste. N'est-elle pas en France? Si. Elle est arrivée au pays il y a une semaine et a décidé de venir à Babsan pour qu'on règle le contentieux qu'il y avait entre elle et moi avant qu'elle n'aille en France. Et elle voulait aussi faire ta rencontre. Et comment tu la traites? Belle soeur, je suis désolée. Si j'ai fait ceci, c'était sous la prise de la colère, de la jalousie. Je veux protéger mon nom. Je voulais protéger mon mariage. Je n'ai pas su que c'était toi. Je suis désolée. S'il te plaît, excuse-moi. Je suis désolée.
Mon chéri, je suis désolée d'avoir agi ainsi, car je ne connaissais pas la vérité. Et tu penses que tes excuses suffisent? Tu as traité ma soeur de la plus pire des manières que possible. Je le sais, car c'était vraiment insupportable. Je me suis laissée emporter par ma jalousie. Et tu crois que c'est une excuse valable? Tu m'accuses sur des choses sans fondement, au point de me traiter d'homme infidèle. Je te promets, chérie, je ne douterai plus jamais de toi. Tout ceci a été parce que j'étais inquiet. Tu as baissé subitement les fréquences de nos rapports. Je me suis sentie rejetée et indésirable. Sonia, notre mariage ne doit pas se fonder sur rien que sur le sexe. Il doit y avoir la confiance et la communication. Je le sais maintenant et je te promets de ne plus jamais douter de toi. Je ferai l'effort de mieux communiquer pour ne pas être emporté par ma jalousie. S'il te plaît, chérie, pardonne-moi. Je vais te croire. Mais sache que ce n'est pas quelque chose que je dois oublier facilement. Tu devras me montrer que tu as changé. Je te promets, chérie, que je vais changer. Rien que l'amour et la confiance. D'accord, mon amour. On va essayer. Mais ça va demander des efforts de deux côtés. D'accord, chérie. Merci pour m'avoir pardonné et pour m'avoir accordé une seconde chance. Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime, maman. Je n'arrive pas à croire ce que tu me disais au téléphone. Comme tu as compris, cette femme, c'était Nadia, sa soeur cadette. Elle venait juste d'arriver au pays et voulait régler un conflit longue date avec lui. J'étais tellement honteuse. Valérie, j'avais réalisé à quel point j'étais irrationnelle. Oh là là, c'est vraiment dingue. Maintenant, mon chéri et moi sommes sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que faire au maximum 3 fois par semaine n'est plus la règle. On va essayer de s'y tenir. Et je vais aussi essayer un peu de m'abstenir et contrôler mon addiction. Hey! J'ai peut-être une solution pour toi. Ah bon? As-tu déjà essayé le concombre? Un concombre? Mais comment ça? Oui, un concombre. Tu prends un concombre, tu le laves et puis tu te masturbes avec. C'est moins cher, sans danger, naturel. Et avec ça, tu pourrais satisfaire toutes tes envies et éviter de déranger Joël tout le temps. Ok, Valérie. C'est... J'ai suivi. On va essayer. Et ça paraît un peu bizarre. Merci pour ton conseil. De rien, ma chérie. Tu verras qu'avec cela, tu seras satisfaite. Et puis, ça t'aidera à gérer l'harmonie dans ton couple. J'espère que oui. Merci pour ton conseil, Valérie. D'accord.
Non, ça va. Tu es sûre? Tu m'as l'air vraiment bizarre. C'est juste que je suis un peu fatiguée. Ça va. Si tu le dis, ça va. Ces concombres sont vraiment délicieux. Merci de les avoir achetés. Je suis contente que tu les apprécies. J'espère que ça va bien se passer. Désolée chérie si je t'ai fait peur, c'est juste que j'ai oublié de l'argent. Tu n'as pas perçu 5000 francs quelque part là. Ah, c'est ça ici, ok, c'est bon. Ah. Bon, chérie, bonne journée, je retourne au travail. Bonne journée, ok. Je ne peux pas croire que c'était si proche. S'il avait couvert le concombre, qu'est-ce qu'il aurait pensé de moi? Je dois être plus prudent cette fois-ci. Oh, mon Dieu! Oh, Valérie! Courage,
Sonia, tu vas t'en sortir. Ouais Sonia, je ne trouve rien. Je trouve rien en ligne. Quoi? Je suis désolée vraiment. Beaucoup de courage. Monsieur, nous avons les bonnes nouvelles pour vous. Vous n'allez pas vous inquiéter. Nous avons pu extraire le concombre du vagin de votre femme en toute sécurité. C'est vraiment fantastique, docteur. Merci beaucoup. Ok, mais si vous étiez arrivé un peu plus tard, nous aurons eu des complications très délicates. Et nous pouvons sortir quand, docteur? Dès aujourd'hui, je vous prescris quelques comprimés. Du moins, vous pouvez passer à la très rapidement. Merci vraiment, docteur. Merci. Donc ce sont les concombres, les efforts que tu disais que tu devais fournir pour que notre relation aille mieux. Chérie, je suis vraiment désolée. Faudrait que tu m'admettes chez un spécialiste pour soigner mon addiction. Un spécialiste pourquoi, Sonia? Pourquoi ne m'as-tu pas écouté dès le début? Chérie, tout ça c'est la cause de Valérie. Elle est la source de nos problèmes dès le début. Tu sais, si tu m'avais écouté et tenu Valérie loin de nous, on ne serait pas arrivé là. Je le sais, mon chéri. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. D'accord, je te pardonne. On ira à l'hôpital demain matin. Mais s'il te plaît, il faut sortir. Merci, mon chéri. Je te promets de changer. Merci beaucoup. Je t'aime. Ok, on va surmonter ça ensemble.